Les humains ont rarement l'habitude d'entrer dans la situation les uns des autres, et c'est de là que provient tant d'erreurs de jugement, tant de cruauté et d'injustice. Quand on ne sait pas dans quelles conditions se trouve une personne, avant de l'accuser, il faut pour 5 minutes au moins se mettre à sa place. Et souvent, on se rendra compte que si on était dans sa situation, on ferait 10 fois pire qu'elle. Quelques minutes seulement de cet exercice, et on acquérera des qualités de noblesse, de patience, d'indulgence, de douceur. Faites cet exercice, entrez pour quelques minutes dans la situation de tous les gens qui vous sont désagréables et que vous avez du mal à supporter, et vous verrez, vous ne pourrez pas ne pas les comprendre et les aimer. Vous aurez même des larmes aux yeux en pensant à eux. Vous direz tout simplement, oh le pauvre, oh le malheureux. Si vous avez près de vous des êtres difficiles à supporter, c'est pour vous apprendre à aimer. Et un jour, quand vous vous présenterez en haut devant le monde invisible, on vous demandera des comptes. On vous dira, pourquoi n'avez-vous pas d'amour pour vos semblables? Mais parce qu'ils étaient dégoûtants, méchants, laids, stupides, criminels. Non, ce n'est pas une raison. Hein? Vous avez reçu du ciel une grande richesse. Vous avez des yeux, vous avez une bouche, vous avez des oreilles, des bras, des jambes. Et si on vous les a donnés, c'est pour aimer et non pour mépriser, pour saccager, piétiner. Mais c'est des misérables. Eh bien, justement, c'était une raison de plus pour leur donner avec plus de générosité.